qu'est-ce que vous pensez des transports en commun parisiens? J'aimerais bien qu'il y ait plus de tramways, comme par exemple à Rotterdam. C'est génial parce qu'il y a un pont et on peut prendre soit la voiture, soit le tramway. Et votre soeur, elle en pense quoi? Ça va? Ça va et toi? Salut! Ouais, sister. Ouais, on est là, sister, on présente. On se retrouve avec Pierre-Amont, on s'était pas vu depuis longtemps, mais bon, c'est cool. Et là, t'es en indépendant ou... Là, je suis en freelance en ce moment, mettre un peu de beurre dans les épinards, parce qu'Anouna, au lance-boulette, il nous paye. C'est une vraie galère, quoi. Bon, il faut que tu... Votre frère, il en pense quoi? Mon frère, il est derrière moi, c'est ça? Ouais, toc, toc! C'est qui? C'est Ellie. Ellie qui? Ellie venu le temps des cathédrales. Arrête, non. Ok, j'avoue, c'est Jean-Michel Maire depuis le début. Ça fait 5 ans que c'est Jean-Michel Maire, cette connerie des frères. Qu'est-ce que je pense des transports en commun parisiens? Qu'ils sont cool, bien desservis, il y a plein de lignes, les gens sont plus agréables que ce qu'on croit. Et votre frère, il en pense quoi? Ça va mon frère? Ça va frérot ou quoi? Les temps, Sodos. Moi je la connais. J'ai jamais m'a fait l'amour tempête. Bien joué, parce qu'elle est jolie. Bien joué. Ah ouais? Bien joué, elle est jolie. Elle est jolie, hein. Alors j'y suis venu parce qu'on peut plus circuler en voiture dans Paris. Mais l'inconvénient du Vélib, c'est que Paris est de plus en plus pollué. Et quand vous êtes en vélo, vous êtes complètement asphyxié par les bus qui, eux, fonctionnent toujours au diesel. Et votre frère, il en pense quoi? Mon frère? J'ai pas de frère. On est des faux jumeaux. Bonjour. Bonjour. On est faux jumeaux en fait. Il est né le 15, je suis né le 23. Un accouchement difficile. Salut mec. Petite interview.